si, il y a plusieurs choses à dire. En gros, chercher des logos sur SVG. Et tout le reste, on devait ensuite animer sur After Effects. Il y a plusieurs effets que j'aime bien, les effets de... J'ai appris comment c'était les effets de coups, voilà, les petits mouvements en perso, etc. Ça a été un truc, très bien. Et à la fin, on a l'air d'autres exercices pour remplacer tout ça. Merci, monsieur Cobbleboy. Ah, beaucoup à plus de gras. Bon, on va recommencer. On va tout recommencer. Donc, bonjour, moi c'est Alice. Désolé si vous entendez un son de ventilateur, c'est parce que c'est à côté, c'est pour pas que mon ordi surchauffe, parce qu'il fait un peu chaud. Voilà. Et je suis ici pour parler, pour faire la fin, du coup, des projets scolaires qu'on a fait cette année. Afin de revoir tous ces projets pour expliquer les coulisses, montrer des trucs que j'ai jamais postés parce que soit c'était des projets dont je suis pas trop fier, soit des trucs où bon, comme le dernier montage que j'ai montré où j'avais techniquement pas le droit de montrer, voilà, ce genre de choses avec donc toutes les coulisses. Donc, là je parlais que on a le dernier projet qu'on devait faire, c'était un projet de motion. Donc, c'était on devait faire une animation de entre de 1 minute 30 voire un peu plus. Je crois qu'on a presque, on a beaucoup dépassé les 1 minute 30 demandées. Non, 1 minute 15, les 1 minute 15 demandées. Qu'on devait faire entièrement en animation via Illustrator et After Effects. Or, Illustrator, on avait fait un petit peu en début de la première année. After Effects, on avait très très peu en début de, en fin de première année. Certains connaissaient parce qu'ils le faisaient de leur côté. Et moi, j'en avais fait un tout petit peu pour projet tuto. Mais c'est deux logiciels qu'on connaissait très très peu et très très mal en tant que classe. Du coup, on a fait énormément d'exercices pour nous apprendre comment user Illustrator et After Effects. J'ai gardé la majorité d'After Effects. Je crois que j'ai pas tous les exos Illustrator. Même certains exos After Effects que j'ai pas appris parce que j'ai abandonné au milieu. Donc, le tout premier exercice After Effects que j'ai gardé, Illustrator, c'est celui-ci. Où, en gros, on avait une affiche Happy Halloween qu'on devait refaire de nous-mêmes en utilisant toutes les créations de formes, les calques, etc. de Illustrator. On l'a appris, j'ai retravaillé, on a appris à comment est-ce qu'on fait les formes, comment est-ce qu'on fait des traits, comment est-ce qu'on gère pour faire des fusions, comme ici avec le squelette. Voilà. Il y a quelques erreurs, notamment je suis trompé dans le cadre et du coup j'ai pris tout le calque et pas juste la partie de travail du calque. Voilà. Donc c'était le premier exo. Un autre exo rapide qu'on a dû faire, c'est celui-ci. On a dû se redessiner. Il faut dessiner son voisin en forme minimaliste. Donc avec que les petites formes d'Illustrator. Moi, j'ai essayé de faire un peu plus que minimaliste. Il y a des gens de ma classe qui sont allés encore plus loin, qui ont vraiment fait des dessins incroyables. D'autres qui ont fait des dessins très nuls et c'était drôle. Et moi, vu que je n'avais pas de voisin ou voisine, je me suis fait moi-même parce que j'ai une vie triste. Voilà. Et du coup, je me suis refait moi-même avec, en prenant en exemple une photo de moi qui est sur mon ordi et pour m'entraîner un peu sur Illustrator. C'est les deux premiers exercices. Ensuite, on a fait un premier exo où on devait faire une petite histoire via des logos. Du coup, on a dû chercher des logos en SVG. SVG, du coup, c'est le format vectoriel. C'est un format où, qu'importe si tu l'agrandis, normalement, tu ne perds pas de données. Parce que c'est pas une photo où c'est des pixels, mais c'est du calcul mathématique. Du coup, il sait qu'est-ce que c'est pour l'agrandir et ne pas pixeliser. Voilà. Donc, je suis allé chercher des petits trucs de robots parce que j'aime bien les histoires de robots. Voilà. Et j'ai fait une petite histoire où tu as un robot qui arrive, qui demande au robot sans tête qu'est-ce qu'il a et qui dit qu'il a perdu son corps. Donc, comme ça, j'ai pu apprendre les petits mouvements comment est-ce qu'on fait bouger les calques, comment est-ce qu'on fait les effets de flou, comment on fait les transparences. On peut voir ici qu'il y a un problème en transparence parce que les deux PNG ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Bref, c'est
pas les mêmes logos, du coup, tu en as un sur l'autre qui est un peu plus foncé, parce qu'on voit les transparences des deux qui sont à 50%. Et à la fin, on a eu, vu qu'on était très peu à avoir fait cet exercice, voilà, on a eu un autre exercice qui était de animer un logo directement. Et du coup, j'ai repris mon petit robot et je l'ai animé petit à petit pour faire du coup l'animation d'un logo que je trouve bien meilleure. Donc, image de VG Pro, voilà, histoire de robot. La police, c'est celle de Tron. Parce que j'aime beaucoup la police de Tron. Oh, le clin d'œil, en fait, c'est parce que j'ai. Pour faire ce clin d'œil, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réduit sur une seule. C'est au lieu de faire une réduction XY, je l'ai juste réduit sur Y. Voilà. Comme ça, il fait un clin d'œil. Voilà. Et ça, c'était un exercice que j'ai fait bien plus tard, après qu'on ait un peu plus appris à comment user le logiciel. Voilà. Ensuite, second exercice qu'on a fait en Motion. Là, c'était pour savoir gérer un passage transversal. Du coup, on a créé un petit bonhomme directement sur Premiere. Non, pas sur Premiere. Directement sur After Effects en utilisant donc les outils de création d'After Effects de forme. On a dû créer ces petites boules qui font comme des planètes, le fond et le petit bonhomme. Et ainsi, on a appris comment mettre des effets comme l'effet de bruit, l'effet de lumière, les effets de fluorescence et les effets de flou avec donc les petits traits qui passent comme ça, comme si c'était un effet de vitesse. Avec donc le passage. Je sais pas si là c'était encore une caméra, je crois pas. Là je crois que c'était juste du. Là, ouais non, non c'était, on avait une grande frise et on bougeait le bonhomme et la frise. Je crois que c'était un truc comme ça. C'était pas encore, on n'apprenait pas encore à bouger la caméra dessus. J'ai un doute. Mais je crois que la caméra on a appris à la bouger plus tard. Donc c'était le second petit truc comme ça on apprenait à apprendre. Ensuite, on a peut-être appris à bouger la caméra parce que là on a encore appris à bouger la caméra. Ensuite, on nous a montré comment est-ce qu'on animait des images, des photos, avec l'outil marionnette. L'outil marionnette sur After Effects, c'est un truc où on fait des petits points un peu partout sur les articulations. Comme ça, on peut déformer le PNG et donner l'impression que ça bouge un peu. Donc, voilà, là, ça, on a l'impression que ça bouge, en sachant que si on le déforme trop, ça se voit. Vraiment, là, ça se voit pas trop que c'est déformé. Et le tout, c'est qu'on a également appris à mettre des effets, comme l'effet de clignotement, via le fond vert, via la transparence, etc. Comment faire un effet 3D en utilisant un autre logiciel qui permet d'avoir qui permet de calculer les rendus 3D sur une photo et via la caméra. Enfin, en gros, c'est tu mets plusieurs photos qui sont un peu décalées l'une à l'autre pour donner l'impression que ça bah, que c'est qu'il y a de la perspective en vrai, c'est pas juste un truc plat. Et après, tu fais bouger un tout petit peu la caméra pour donner donc cet effet. Ça bouge en 3D et pas juste ça bouge dans un truc fixe. Donc là, c'est l'exercice qu'on a fait avec le prof. Et ensuite, tu nous as demandé de faire un truc nous-mêmes. Et moi, je l'ai fait sur Astian Classroom parce que j'adore cet univers. Là, avec donc un petit corot qui bouge. Où là, vu que c'est des tentacules, je me suis beaucoup plus amusé dans la déformation possible grâce aux marionnettes en mettant plein de petits points partout. Comme si c'était là, c'était genre comme si on faisait une pub pour une expo, Action Expo. Voilà. Avec, j'ai gardé le truc du. Il y a un truc rouge sur plein de trucs blancs, qui est le truc de base, Station Gastron. Il y a la musique normalement. Je savais que sur celle-là j'avais mis de la musique. Surtout, je pense pas. Ouais, surtout, j'ai pas mis de musique. Parcours qui est mal écrit parce que c'est classe. Voilà. Ensuite, on a fait quelques exos de tracking. Là, par exemple, on a traqué les yeux du chat. Et ensuite, on a usé le truc pour changer les couleurs, pour changer les couleurs grâce à des masques autour des yeux. Ça, c'est, je crois, que le meilleur effet de tracking. Là, c'est du tracking caméra. Voilà, où tu as un mouvement de caméra. On apprend After Effects, c'est quoi le mouvement. Comme ça, il sait où placer les choses. Et après, on place des choses qui vont donc bouger avec la caméra. Donc là, c'est un petit Casimir qui bouge sa main. Et le test avec l'ombre. Parce que comme ça, on a aussi appris comment gérer les lumières et gérer l'ombre pour que ça donne un côté vraie présence. Pour donner une vraie présence aux objets que tu mets via After. Voilà. Un autre exercice, du coup. Voilà, là, c'est avec le détourage. Donc là, on a détouré le personne. On lui a mis plein d'effets. Et avec le mouvement, donc on tracte le mouvement pour garder la personne, l'effet sur la personne et que ça ne se passe pas sur le reste.
Voilà, comme on peut le voir avec le Me and My Friends où elle passe avant. Et s'il y a un truc noir à chaque fois, c'est parce que Insta accepte pas les vidéos qui sont trop courtes. Cette vidéo était trop courte pour Insta, du coup je dois rajouter un peu de noir pour que la vidéo passe. C'était très pénible. Voilà. Du coup, là aussi, ça permet aussi de détacher quelqu'un du décor et de mettre des trucs entre deux, grâce au tracking. Et le dernier, voilà, c'est là, on a dit à la flèche, tu suis le point, tu suis la tête, et du coup, la flèche suit la tête, et l'effet sur la flèche suit la flèche. C'est les exos de tracking qu'on a fait sur After Effects pour apprendre comment est-ce qu'on gère le tracking, et comme ça, on pouvait faire des effets sur une autre. Si on avait un truc qui bouge, on pouvait tout faire bouger en même temps, notamment si on avait de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est ça, le Challenge pendant 12 heures, on en a déjà parlé, ça, on en parlera à la toute fin. Autre exercice tracking où là on a aussi vu comment faire pour faire des contours sur la personne parce que là il y a un contour ombré et comment mettre des effets un peu sales sur la personne parce qu'on avait tous des trucs avec un peu d'effets sales. Voilà. Je crois qu'il chante. Ça, il y a une petite musique avec la vidéo, je sais pas pourquoi. Voilà, donc deux petits exercices. Et on arrive au dernier gros exo de tracking et après on pourra passer vraiment au gros projet. Donc dans les derniers exos tracking, nous avons un partiel qui nous a donné. Et le partiel c'était en gros on devait fi. Je crois que. Ouais. Je vais aller fermer la porte, je reviens. Voilà. Bref, donc on devait filmer quelque chose dans l'école et rajouter un maximum d'effets possible en faisant un changement d'ambiance. Donc on passe sur l'ambiance normale et on change d'ambiance. Voilà. Donc moi, normalement c'était aussi un travail qui pouvait se faire en groupe. Je l'ai fait seul parce que je n'ai pas d'amis. Voilà. Donc moi j'ai juste fait un petit travelling sur la cour de l'école, là c'est la terrasse de l'école. J'ai rajouté un effet 2D, comme si on passait dans un monde d'animation, c'est ça le but. Et j'ai rajouté plein de trucs en fond vert, genre le Scooby-Doo qui court sur la rambarde, le petit personnage de. Ah, il s'appelle comment? D'Across the Spider-Verse, on peut voir sa main plus loin, un truc comme ça. Du coup, tout fonctionne avec la caméra 3D et du tracking, pour que tout reste à sa place et que lorsque la caméra bouge, le Scooby-Doo bouge pas, reste sur la rambarde et descend pas de la rambarde. J'ai pris quelques PNG, hein, comme la soucoupe, l'homme qui tombe et dont on voit pas très bien, mais pendant son mouvement, il bouge un peu des bras et des jambes grâce à l'effet marionnette. T'as le petit cercle. Et autre truc qu'on peut voir pour rendre le truc plus vivant, c'est qu'il y a de l'ombre. Genre, le Scooby-Doo, là, il est lumineux. Quand il est pas dans l'ombre, il est dans l'ombre. Parce que j'ai rajouté une lumière sur tous les effets, trucs comme ça, pour qu'on dirait vraiment qu'ils sont dans la vidéo et que ça n'a pas été rajouté. Voilà. Pareil, là, le cercle là qui roule sur la rambarde, ici il est plus sombré, ici il est plus dans la lumière. Donc voilà, donc ça c'était l'avant-dernier exercice. Le dernier partiel qu'on a fait, donc, ouais, je parlais de l'animation avant, c'était on devait encore une fois animer un logo. du coup, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai animé le logo d'une caméra. On devait rajouter du texte aussi. Bonjour Pinocchio, on parle de mon projet d'animation, on parle de mes projets animation que j'ai dû faire à l'école. Alors je suis en audiovisuel. Voilà, donc moi, je me suis un peu amusé. On peut voir là, il y a les petits. Il y a tout qui se crée en fonction grâce à des masques qui camoufle le dessin et qui le fait apparaître peu à peu, avec du coup le masque qui s'augmente. Les ronds évidemment qui s'agrandissent. Les deux qui tournent dans des sens contraires évidemment, pour donner l'effet de pellicule, en sachant que. Alors je sais pas si vous savez comment fonctionne After, mais du coup dedans tu as des compositions. Dans ces compositions, tu recrées des compositions à l'intérieur pour faire en sorte d'animer dans l'animation, dans l'animation, dans l'animation, et que les deux, tout soit séparé, mais que tu as toujours des trucs que tu peux animer ensemble. Donc voilà, donc là par exemple, les deux là, c'est la même pré-compo, il y en a juste un que j'ai fait tourner dans un sens, l'autre que j'ai fait tourner dans un autre sens. Mais vu que c'est la même animation, les deux sont les mêmes.
avec un jour qui apparaît et les trucs qui bougent. Et l'autre que j'ai fait, c'est pas pour moi, mais pour une amie. C'est que voilà, j'ai une amie, elle avait des problèmes, du coup Margot pour pas la nommer, qui avait des problèmes lors de son animation, qui était en retard, qui avait des problèmes perso qu'il pouvait pas tout gérer. Du coup, vu que moi j'étais en avance, parce que j'avais terminé mon animation je sais plus combien de temps avant, je lui ai dit, je peux te faire ton animation de partiel, voilà, pour l'aider. En sachant que l'arnaque, c'est que j'ai une meilleure note sur son animation à elle que sur la mienne. Je lui en veux pas, c'est moi qui proposais, tu sais. Juste rigolo. Vu qu'on est fan de Magic, j'ai fait un truc avec Magic, un petit peu référencé à notre projet d'immersion qu'on a fait ensemble. Le projet d'immersion, c'est le premier truc qu'on a fait cette semaine, j'en ai parlé dans le tout premier live React projet scolaire, qui se trouve sur la chaîne secondaire Le Laboratoire de Sortie. Voilà. Donc, là aussi, l'animation, il y a une lumière, on voit pas très bien, mais il y a un effet halo qui va sur tout le truc et qui se décale. J'ai oublié de mettre du son sur celui-là, parce que là, le son est coupé, mais ce n'est pas de son dans la vidéo. Et donc voilà, l'apparition qui est la même fonction, les petites languettes qui bougent en 3D, on peut voir qu'ils avancent et qu'ils reculent. Voilà, le petit bout de papier qui sort du livre, en sachant qu'il ne sort pas vraiment du livre. En fait, il est dans un, là, il y a un masque, et il sort de son masque. Parce que évidemment, sinon, on le verrait dans le livre. Parce que le livre n'est pas au-dessus, en termes de calme, il est en dessous. Les petites taches qui apparaissent, qui bougent un petit peu, et Magic qui apparaît de la même façon que un jour, parce que je trouvais l'animation bien. Voilà, du coup, je n'ai pas changé l'animation. Voilà. Ça, c'est tous les exos d'animation qu'on a fait. Il y a un dernier exercice qui me manque avant de passer au gros projet animation. Cet exercice, c'est le dernier exercice de montage qu'on avait fait. Alors, pour ça, en fait, on a eu tous les dessins d'une animatique et les voix de l'animatique. Et nous, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait refaire. L'animatique, donc on devait remonter l'animatique. Je suis pas très très. Je trouve que ce que j'ai fait est pas terrible. Clairement, si j'avais mis plus de temps et d'énergie dedans, j'aurais fait mieux. Je pense que surtout ambiance sonore, l'ambiance sonore, j'aurais pu l'améliorer. Il y a des plans qui durent un peu trop courts, des plans que j'aurais dû laisser un peu plus longtemps. Voilà. Bref. On verra ça plus tard. Un seigneur qui dirigeait un royaume. Il était une fois un seigneur qui dirigeait un royaume obscur. Dans ce royaume, ce seigneur des ténèbres faisait office de chef d'orchestre. Il dirigeait les âmes damnées d'une main de maître, en battant la mesure avec sa baguette. Littéralement brûlé par sa tâche diabolique, il se consumait. Selon la tradition, son fils, l'arrogant Mimiphisto, était destiné à lui succéder. Le grand jour de l'ultime épreuve était arrivé. Devant ses pairs, Mimiphisto devait prouver son impeccable maîtrise du rythme méphistophélique pour être jugé digne héritier. Mais avant cela, une dernière représentation s'imposait auprès de son précepteur. Déjà, tu avais cette intro. Cette intro dans laquelle j'ai déjà coupé, parce qu'il y avait des trucs un peu plus longs. D'ailleurs, on entend une découpe, on sent qu'il y a deux phrases qui sont beaucoup trop proches. Parce que c'était beaucoup, beaucoup trop long. Et qu'on n'avait pas assez de trucs à animer dessus. Voilà, c'était très embêtant. Surtout comme vous voyez, ça zoome de plus en plus. Et du coup, je ne pouvais pas utiliser une animation deux fois. Parce que vu que ça zoomait, on voyait que ça changeait de plan si je réutilisais les animations. Là, on voit qu'on a le pied qui bouge, que j'ai pu mettre deux fois. Et j'aurais pu mettre un peu plus pour donner un effet un peu moins saccadé. Mais c'est deux seuls plans qui étaient sur la même échelle. Les autres n'étaient pas sur la même échelle, j'aurais pas pu. C'est embêtant. Et derrière, du coup, c'est le lac des cygnes parce que je trouvais que ça collait bien. Quel fainéant. De notre temps, cela ne se serait pas passé comme ça. Dire qu'il n'en a rien à faire. C'est le jour de son examen et il est là, sur son lit. Cet examen ne semble pas le préoccuper plus que ça. Oh, c'est sûr qu'il n'a pas l'air inquiet. Quelle honte. Quelle honte! Voilà, en sachant du coup que tout l'ambiance sonore, on a dû la recréer. J'aurais pu mieux la recréer. Du coup, majoritairement, je suis allé chercher des choses sur Internet pour trouver les sons. Sauf les petits pas en plastique là. En fait, c'était des sons que j'avais utilisés pour mon animation principale dont on va parler juste après. Et du coup, je les ai réutilisés ici parce que je les avais déjà faites et que ça collait bien.
rouges. Les étincelles doivent être rouges. Pas blanches. Rouges. Vous n'êtes pas... Voilà, là c'est ma plus grande erreur dans cette animatique. J'aurais dû faire durer un peu plus longtemps la partie musicale des deux côtés. Même si je laissais plus de temps à juste l'image, vu que c'est juste une animatique, évidemment ça va être animé ensuite. Et c'est le but d'un storyboard. J'aurais pu le laisser un peu plus longtemps parce que là la musique est trop courte, elle se coupe trop brutalement. On n'a pas le temps d'apprécier le fait que le petit chien cornemuse là joue bien et d'apprécier la... le fait que ça devienne n'importe quoi ensuite. En sachant que pour cet effet n'importe quoi, ce que j'ai fait, c'est juste couper la musique et que j'ai essayé au mieux de mettre des effets de distorsion sur Adobe Audition. Digne de votre lignée, il est inconcevable de vous présenter auprès des nobles du royaume. Et de votre père, votre médiocrité me déshonore. C'est ainsi que commence notre histoire. Pareil, là, clairement, j'aurais dû accélérer les boum boum. Voilà. Parce que là, c'est un peu long, c'est un peu... Rythmiquement, c'est pas terrible. Qui semble bien mal engagé. Très, très mal. Il était une fois un seigneur qui... Voilà, voilà. Donc ça, c'était le dernier exercice de montage qu'on nous a donné à faire. Donc, normalement, sur cet Insta, il manque juste une chose, on va parler encore plus après. Bon, je parle pas de mes stories parce que je sais pas si. Je sais pas que c'est très utile. Hein. Allez, on passe avant de passer sur YouTube parce que. Comme ça, j'aurais tout parlé. Bah, là, c'était une photo. Parce que, voilà. Là, c'est mes photos de tournage du premier court-métrage. Voilà, j'étais contente. Donc, avec le crâne qu'on a brûlé, c'était triste. Tournage de 0D Productions. Tournage d'un court-métrage de B1, tournage de 0D Production, suivez bien la chaîne. Voilà, là, c'est les pubs. Rien de très intéressant. Voilà, ça, c'est donc ce dont on va parler. Hop. Ouais. Là-dessus, rien d'intéressant, à part le fait que les premières stories sont très moches. Je suis très déçu de la story de Mort en silence, qui est toute radatinée. Il y a des... attends, je te montre. Là, je peux la montrer parce qu'elle est très, très moche. Il y a trop de noir en haut là. Cette phrase passe sur tout ce contexte. Voilà, là, elle est tout petit comme ça. Non, c'est très, très moche comme souris. Tiens, de plus intéressant à dire. On a fini avec Insta. Et là, on peut parler du projet principal. Le projet principal de l'animation, du coup, c'est qu'on devait faire on devait choisir un thème et faire globalement une sorte de documentaire. Donc, ça pouvait être un truc sur la santé, ça pouvait être sur les technologies, ça pouvait être sur le divertissement. Mais l'idée, du coup, c'était plus de faire un truc dans soit quelque chose d'ambiance, soit dans un documentaire et pas vraiment en fiction. Il y a eu plein de projets intéressants. Et du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'avais plusieurs idées et... celle qui m'a le plus inspiré, c'est de le faire sur la représentation du trouble dissociatif de l'identité en fiction. Ce qui est très précis. Et pourquoi ça? C'est parce que, notamment, je suivais la chaîne, je suis toujours la chaîne, de Briganian, que je vous conseille de suivre. Je ne sais pas faire des shoutouts, du coup je ne vais pas le faire, mais Briganian sur Twitch. Qui faisait beaucoup dans l'antipsy et qui m'a du coup sensibilisé à ce sujet et que du coup c'était un sujet que je m'y intéressais suffisamment. Pourquoi tu proposes Thibaut InShape? Je ne veux pas de Thibaut InShape. Voilà. Et que voilà, à force je me suis intéressé et je me disais que j'ai un groupe. Il y a un gros problème dans la représentation du TDI en fiction et je voulais me plaindre de ça. Parce qu'il y a tendance, surtout avec Split qui a fait énormément de mal, une représentation très nocive et très fausse de ce que c'est. Le premier script dirait 10 pages, ce qui donnait environ 12 minutes.
Alors, comment vous dire que animer 12 minutes en 2 mois, alors que tu n'es pas animatrice de base et que tu connais After Effects depuis 2 mois aussi? Genre, peut-être à 2 mois, ça fait. Non, allez, ça fait un mois que tu connais After Effects. Mais comment s'en servir? C'est pas possible. C'est pas... 12 minutes, c'est pas possible. Même si tu mets de la vidéo en même temps, c'est pas possible. Du coup, j'ai réduit le texte. J'ai réduit le texte de moitié. Ça faisait 6 minutes. C'était toujours pas possible. Voilà. Du coup, j'ai réduit le texte jusqu'à ce que ça fasse une seule page. Du coup, c'était un texte de 2 minutes. Voilà. Là, ça passait, j'ai pu le faire. J'ai encore des trucs où je me dis que, avec, surtout avec le temps que j'avais à côté, parce que j'ai terminé 2 ou 3 semaines en avance, avec ces deux semaines d'avance, j'aurais pu plus peaufiner que ça. Mais il y a des trucs où, même à force de revoir, j'ai pas capté. Et d'autres trucs où j'ai pris des heures et des heures à faire juste ça. J'ai pas envie de me replancher dessus. C'était un mélange de fainéantise et de manque d'attention sur ce projet parce que j'étais plutôt fier du résultat et du coup j'avais pas la foi de me relancer dessus. Mais à force de réduire le texte, 2 minutes, tu enlèves beaucoup d'informations. Genre, tu passes de 12 à 2. Du coup, je me suis dit que une fois que j'aurais terminé, je ferais une version longue, que c'était sûr et certain. Et certes, oui, voilà. Parce que il y a beaucoup trop d'informations que je voulais mettre, beaucoup de blagues aussi que j'ai dû enlever, voilà. Je voulais les faire. Du coup, si, même après l'école, parce que ça sort en juillet, c'est sorti en juillet, j'allais faire une version longue. Et c'est le cas, c'est arrivé, et je suis plutôt contente de ma version longue. La vidéo des versions longues est peut-être la vidéo, une des vidéos dont je suis la plus fière. Je réfléchis, hein, mais non, en vrai, avec le recul, ça devrait être la cheminée, mais j'ai trop de problèmes. Il y a eu trop de problèmes de post-prod et de pré-prod à la cheminée pour que j'ai pas pourquoi pour que j'ai pas de problème, tu vois, avec. Bref. Tout, tout, tout. Et du coup, avant de partir, je vais lire un peu. Là, donc animation motion design sur la présentation d'un trouble dissociatif de l'identité en fiction réalisé lors du projet 2D de l'INOF Campus. Donc, avec la voix de Elsa Logier, qui est une de mes amies qui a eu la gentillesse de m'aider et de faire des voix sur le TDI version courte et version longue. En fait, la raison de pourquoi c'est elle que j'ai pris, c'est très simple. Elle voulait m'aider pour la série Audio Cult, sauf qu'elle n'était pas dispo à cette période. Du coup, elle était très déçue. Du coup, quand j'ai vu dans mon script que j'avais forcément besoin d'une voix pour une seule phrase dans la version courte, pour plusieurs phrases dans la version longue, je me suis dit, il faut que je lui demande à elle en priorité. Je lui ai demandé, elle était très contente. Voilà. Et du coup, j'ai aussi demandé à Briganian, dont je parlais avant, de me relire sur le script pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Parce que n'étant pas sujette à un trouble dissociatif d'identité, je ne voulais pas dire des bêtises à ce sujet. Et je ne voulais pas parler à la place de concerné. Techniquement, je parle à la place de concerné, mais je voulais pas. Bah, je ne pouvais pas faire, je connais mieux. Du coup, j'ai vraiment je suis allé écouter des renseignés, des personnes concernées. J'ai fait des recherches aussi à côté, voilà, pour être sûr. J'ai barricadé au mieux la critique et j'ai demandé du coup à avoir une sensitive rigoureuse pour être sûr que tout passe bien. Donc, une version longue un peu plus live qu'animation en cours, car ça je l'ai dit. Et on va passer directement à l'animation. Le trouble dissociatif de l'identité. En sachant que là je suis en 360p ou 720 pour être sûr que ça ne lag pas trop pendant le live, ça risque de laguer quand même parce que mon ordinateur n'assume pas OBS et un autre truc en même temps. Je crois qu'il n'assume pas OBS tout court. Le trouble dissociatif de l'identité est défini sous deux points dans le DSM. Déjà là, il y a beaucoup à dire. Donc déjà, la voix, c'est la mienne. Petite animation. Le texte, du coup, c'est Frederica the Great, la police, qui est une police qui est sympa parce qu'elle fait vraiment écriture. Et du coup, là-dessus, on a mis un effet trouble pour que ça bouge un peu plus. Le fond, c'est le fond d'un tableau que j'avais chez moi, que j'ai pris en photo, et dans lequel j'ai beaucoup zoomé pour faire des mouvements de caméra sympas dedans. Bon, non, en fait, j'ai pris une photo en 4K, et sur la photo en 4K, j'ai pris des cadres en 1920 par 1080. Du coup, comme ça, je pouvais déplacer la caméra dans cette photo, et ça pouvait faire des mouvements sympas. Donc voilà. Autre truc, c'est que ce petit stylo noir, en fait, c'est un stylo vert. Et ouais. Et du coup, c'est un stylo vert que j'ai sur Photoshop. Du coup, j'ai changé la couleur du capuchon et de la pointe.
pour en faire un stylo noir, vu que ben, j'écris en noir et pas en vert. Le trouble dissociatif de l'identité. Là, avec l'apparition, en sachant que du coup, que l'apparition comme ça de toutes les lettres avait un problème avec du coup le 2EL apostrophe, parce que ça apparaît dans un sens, ça ne peut pas apparaître de l'autre. Et du coup, si vous regardez bien, l'animation du 2L apostrophe est différente. Le dissociatif. Voilà, en fait, elle apparaît pas lettre par lettre, elle apparaît tout d'un coup, venant du Y. Et pour ça, j'ai juste utilisé un masque où après le I, c'est pas dans le masque, et avant le I, c'est dans le masque. De l'identité est défini sous deux points dans le D. Là, là aussi, traçage du 2 via un masque, le petit point qui bouge un peu, et DSM. Ça. Ce DSM, je l'ai redessiné intégralement sur Illustrator. Ça m'a pris 4 heures. Parce que, voilà. Parce que vous dire 4 heures pour ça, c'est pas beaucoup. Mais non, parce que j'ai pris le vrai DSM, j'ai refait toute la couverture juste pour écrire « Book to justify locking people up in an asylum because they are not like us », en français, « Livre pour justifier d'enfermer dans un asile des personnes parce qu'elles ne sont pas comme nous ». Voilà. Juste pour ça, j'ai refait toute la couverture. Mais j'ai aussi fait, ça on verra, le dos et la tranche. Personne ne voit la tranche dans l'intégralité. J'ai refait la tranche de ce livre qui sert à rien. Parce que on voit jamais la tranche dans toute la vidéo et même dans l'autre vidéo. Et en plus, tout ça que je me suis embêté à refaire avec un nouveau titre, ça apparaît même pas, genre ça apparaît je crois 5 secondes, 5 images. Parce que là j'ai mis pause au bon moment, mais j'ai pas... Mais il y a directement l'animation. Du coup, t'as pas le temps de le lire. Voilà. J'aime bien perdre mon temps. Et cette animation de livre ouvert, en fait, elle a été très compliquée. Parce que c'est une animation, du coup, en 3D. Hop. Le dissociatif de l'identité est défini sous deux points dans le DSM. Voilà. On va le mettre en... Voilà. Voilà. Du coup, en fait, ce qui se passe, si vous voyez bien, c'est qu'on est en 3D. Là, tu as la couverture, là, tu as les pages, et là, tu as le truc en dessous. Et c'est que chacun fait un mouvement rotatif comme ça. Donc, la couverture, toutes les pages qui ont été empilées l'une sur l'autre, qui refait aussi le même mouvement, et sur la première page, du coup, il y a écrit « être multiple ». Du coup, tu as l'animation qui apparaît. Et on peut voir du coup la tranche qui apparaît progressivement lorsque ça tourne jusqu'à ce que ça le met bien ici. En sachant qu'il y a deux erreurs avec ça. Hop. Ah, y a un problème. Ah. Voilà. La première étant que c'est pas centré. Qui est un problème, hein, voilà. C'est un peu excentré, ça me perturbe. Et l'autre étant que on voit pas maintenant. Mais on verra lorsque la page va tourner que ici, c'est pas bien mis, qu'on voit le débordement, que la page en fait elle est plus petite que ce qu'elle devrait être. Et lorsque ça a tourné, on a vu aussi que les trucs étaient un peu décalés. Voilà, voilà. Ah oui, je pinaille, hein, mais moi ça m'énerve. Parce que j'ai vraiment passé des heures et des heures cette animation. De base, je devais animer feuille par feuille, notamment avec l'effet tournage de page de After. Mais ça marchait pas, genre ça buguait, les feuilles traversaient la cover, ça se voyait, c'était très moche. Du coup, j'ai fini avec cette animation qui est beaucoup plus simple et qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas du tout l'animation que je voulais faire de base. Voilà. Et qui m'a vraiment pris 4 heures et 3 crashs de After. Être multiple. Voilà. Donc, là, c'est une petite explication, je le dis pas à l'oral, du coup, voilà, c'est multiple, c'est avoir au moins deux alters, et un alter, c'est un état alternatif de conscience. En sachant que là, je prends. Ce que dit le DSM du TDI, mais le DSM n'est pas à prendre comme vrai argent comptant. De souffrir d'amnésie sous n'importe quel... Voilà. Bon, c'est caché par les deux trucs là et là, par les titres, mais ici, tu vois, on voit que la page blanche est plus petite que le livre, parce que ici on voit les traits gris. Voilà. Donc, souffrir d'amnésie sous n'importe quelle forme. Et du coup, là, c'est la même animation de l'autre côté. Mais si on pas. Tu vois, on le voit même pas une seule image. 1. Être multiple. 2. Souffrir d'amnésie sous n'importe quelle forme. Mais. Mais voilà, ce logo extrêmement flou parce que ça dure qu'une seule image nette. Avec tous les petits traits là de la personne. Je l'ai refaite moi-même. Voilà.
intégralement, il n'y a pas un seul truc qui n'est pas refait. Le code barre, avec tous les petits carrés noirs et les carrés blancs, je l'ai refait. C'est pas un vrai code barre. Ah, tout ça pour que ça n'apparaisse même pas une seule image. Je prends trop de temps pour rien. Si on parle de TDI, il y a un élément qui me vient à l'esprit, les haltères. Voilà, donc là on m'a dit que... alors, la vidéo va être imbitable parce qu'il y a beaucoup d'informations et en plus je la coupe toutes les deux secondes. Mais juste là, on m'a dit aussi que tout ce qui est blague visuelle est un peu trop parce que du coup ça donne trop d'informations et c'est pas assez digeste pour tout comprendre. Mais du coup voilà, un élément, du coup c'est un élément du tableau périodique d'éléments parce que voilà, c'est un élément. Plus précisément, c'est même l'élément 1. Et je me suis rendu compte que l'hydrogène, c'est un H, bah, ça ressemble à des haltères. Parce que voilà, on parle des haltères, alter ego, là c'est des haltères, haltères qu'on soulève, ah c'est drôle. Et du coup, je me suis dit, bah, au lieu de transformer, au lieu de faire. Parce que de base c'était juste une animation simple. Si on parle de TDI, il y a un élément. Voilà, où le tout tournait et ça devenait une haltère. Je me suis dit, bah, plutôt que ça, je vais faire disparaître le tout et je vais transformer le H en haltère. Voilà. Et je crois que ça, on voit le moment où on passe du H à l'haltère. Qui me vient à l'esprit. Les haltères. Là, on voit un peu quand est-ce que l'un passe à l'autre. En sachant du coup que pour l'instant, à part le Velleda, qui évidemment est une photo, tout a été tout est de sont de mes soins. Il n'y a aucune image, genre l'alter, je l'ai recréé sur Illustration, le H d'élément, je l'ai recréé sur Illustrator, cette bulle, je l'ai fait sur Illustrator. Pour l'instant, il n'y a rien qui n'est pas de moi. Une personne multiple possède... Cette animation de morphing aussi est de moi. Autre truc, c'est que je ne sais pas dessiner. Je le savais, je ne sais pas dessiner, et du coup, si je faisais des bonhommes, ça va être très moche. Donc j'ai très vite l'idée de, je vais faire des bonhommes bâtons. Et pour justifier de faire des bonhommes bâtons, j'ai dit, tiens, je vais faire comme si c'était dessiné sur un tableau, comme ça, c'est logique que ça fonctionne qu'avec des petits dessins et des pictogrammes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait une faiblesse, une force. Plusieurs haltères. L'animation, du coup, c'est une animation en cycle, en sachant que cette animation en cycle, je l'ai fait dans ma sous-compo, du coup, elle apparaît tout le temps, ce qui va être un problème qu'on verra plus tard. En sachant que chaque transformation, je l'ai fait avec des marionnettes, voilà, j'ai fait c'est pour ça que c'est un peu tordu là, c'est de la marionnette, et vu que je ne savais pas quoi faire mes bonhommes, la majorité danse, ou panique, voilà. Chacun a une d'entre elles, étant une personne avec sensibilité, nom, genre ou tempérament différent. Voilà, et du coup, là, les petits pas, c'est ce que j'ai fait avec... J'ai utilisé deux soldats de plastique de Toy Story pour faire ces petits pas. Il y a beaucoup de là, pour l'instant, il y a beaucoup d'effets sonores aussi que je suis allé récupérer dans des banques de sons, sur YouTube notamment. Mais il y a quelques-uns que j'ai fait moi-même. Genre, on l'a pas beaucoup entendu, mais l'écriture sur le tableau Velleda, je l'ai fait moi-même. Ils peuvent prendre à tour de rôle le contrôle du système. On connaît tout ça. C'est comme dans les films, on varie entre le normal et le... Voilà. Autre chose que j'ai à dire, c'est que ceci est donc une photo de Chase Meridan de Batman Forever. J'ai choisi ça parce que c'est la psy de Batman Forever et que dans Batman Forever, elle n'arrête pas de balancer tous les discours psychophobes possibles sur le TDI de Double Face, notamment. Faut que j'apprenne à boire. Je suis toute trempée. Tu disais quoi déjà? Oui, je disais que j'avais pris Chase Meridan parce que c'était la psy. Du coup, doublée par Elsa, merci à elle. Qu'on peut remarquer, de 1, j'ai réussi à faire en sorte de faire bouger ses lèvres sur ses paroles. Pour ça, du coup, c'est encore marionnette. Hein. J'ai fait marionnette sur tout son visage pour que son visage ne bouge pas. Puis ensuite sur ses lèvres, hausse et basse, et du coup je les ai fait bouger un petit peu, pour comme s'il ouvrait la bouche. Et conseil de Guillaume, pour ça qu'il est dans les remerciements spéciaux, en plus de m'avoir beaucoup aidé par des conseils pendant tout le long de la vidéo. Alors, à chaque fois il m'a dit « ouais c'est bien, ouais tu prends beaucoup trop de temps sur ce DSM qui apparaît que 3 images dans le truc enfin, ». Il m'a fait beaucoup de retours, donc c'est pour ça qu'il est dans les remerciements spéciaux. Et il m'a proposé en fait de la faire respirer. Donc on peut voir sur son apparition, hop. Voilà, que son torse se soulève et se rabaisse, sur un rythme régulier. Quoi de tout ça? C'est comme dans les films où on varie entre le normal et le... Voilà, et comme ça, ça donne un effet de respiration
sur la personne, et on dirait que ça enlève le côté vraie image. Autre chose pour enlever le côté vraie image, que ce soit ici pour le tableau, qui n'est pas de moi, hein, le tableau je l'ai pris en PNG, c'est que les deux ont une ombre sur un mur, qui lui est la photo du mur de mon salon, que j'avais pris pour le court-métrage Mort en silence, et que du coup que j'ai remis ici, spécialement en guise de rappel, et surtout parce que j'avais besoin de l'image d'un mur. Voilà, donc là t'as Batman Forever qui passe parce que c'est le film où elle apparaît, et qui fait transformer l'image d'avant en une parodie de Psychose. Donc, le sang et l'eau, c'est les effets de particules de Adobe. Je crois qu'il y a des trucs gris et des trucs bleus parce que les trucs gris doivent être derrière l'image. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Et du coup, ça donne des effets gris. Le tout animé avec toujours avec les marionnettes. Le couteau, c'est moi qui l'ai refait avec l'effet sang que je trouve très bien. Voilà. J'ai redessiné sur Illustrator. Le petit sourire narquois. Et les jambes sont un peu bizarres parce que justement, je les ai fait plier via la marionnette qui a déformé un peu le tout. Voilà, voilà. Psychopathe. Okay. Vous renseignez par le biais de Psychose, c'est la pire idée possible. Et voilà, le stylo Velleda rouge, c'est exactement le même stylo Velleda que le noir. J'ai juste sweepé la couleur. Et voilà, et la croix qui se crée en même temps, toujours des masques, très très utile. Je sais que mon prof, mon intervenant en son m'a dit que j'aurais dû mettre un effet plus marqué sur la croix, mais je trouvais que ça sonnait mal. Du coup, j'ai juste gardé le côté Velleda que j'ai enregistré chez moi. Et qui est du coup mis au maximum de sa puissance parce que un Velleda, surtout quand tu as juste ce micro là pour t'enregistrer, ça fait pas de bruit. Ça fait très peu de bruit un Velleda en fait. Alors justement. Voilà. Et le pot de bouche, évidemment, c'est aussi moi qui l'ai refait. Laissez-moi faire un rapide point vérité. Voilà. Donc, vérité, du coup, vérité white. Haha, on se marre. Et du coup, voilà, là c'est son animation où j'ai découpé son bras et après je l'ai fait bouger via la marionnette. Ça. J'ai découpé d'abord son bras pour le décoller de son corps, pour que son corps se modifie pas en même temps que je fais bouger son bras. J'ai fait bouger son bras et après je suis allé chercher une animation de fumée sur en green screen et je l'ai pris. Et le son de la fumée ne vient pas de la vidéo par contre. Je suis allé chercher dans une autre vidéo. La majorité des œuvres représentant le PDI nous présente cette situation d'un alter qui serait un danger pour autrui. Et ça tombe bien que ce soit là. Voilà. Donc, petite animation de chacun. Du coup, là, on a Norman Bates de Psychose qui est poignarde. Taylor Dodon, en plus de danser, disparaît pendant quelques fractions de secondes, en référence du coup aux images subliminales qu'il y a dans Fight Club. Dans Moon Knight, il s'appelle comment ? C'est Mark. C'est Mark Grant ou Steven ? Non, Steven Grant et Mark Spector. Donc, là, je crois que c'est une image de lui quand il est Mark Spector et pas quand il est Steven Grant. Et je l'ai fait bouger dans tous les sens en mode apeuré. Parce que justement Steven Grant surtout est très paniqué dans Moon Knight. Là du coup là on a le double face de la série Batman de Animated Series qui joue avec une pièce que j'aime bien. Et Split, je sais, Kevin de Split, je savais absolument pas quoi lui faire. Du coup j'ai dit bon, tu vas danser. Chose la plus représentée. Et je trouve ça très drôle sa façon de danser. Les confettis c'est un ajout de dernière minute parce que je dis que c'était trop statique. Du coup j'ai refait des confettis pour donner plus de vie à l'animation. Parce que c'est la chose la moins véridique possible. Il n'y a aucune raison qu'une personne multiple. Pareil, là aussi, je n'avais pas trop quoi leur faire. Du coup, j'ai fait, bon, ils vont danser un petit peu. Là, on voit notamment que l'animation marionnette modifie bien les traits. Parce que là, il y a toute sa colonne vertébrale qui sont bien tordues. Voilà. Et la différence entre. On peut aussi voir que les petits bonhommes dansent aussi dans les têtes des gens. Soit plus dangereuse qu'une personne singlette. Ah, on le voit pas là. Mais je sais que sur cette animation, les bonhommes ici bougent un peu leurs pattes comme quand ils avancent. Parce que vu que c'est le même cycle d'animation, des fois on les voit on les voit bouger, faire comme s'ils couraient alors qu'ils sont sur place. Justement parce que j'ai pas fait l'effort de mettre les trucs de course uniquement quand ils courent. Voilà. Les pictogrammes, c'est aussi moi qui les ai refait. Voilà, c'est l'animation de base. Soit plus dangereuse qu'une personne singlette. Il n'existe pas d'alter de la méchanceté. Voilà. Là aussi, le petit démon dans les flammes, avec des cornes, parce que c'est démoniaque, et le trait, le stylo avec le crayon, c'est la même préposition que l'ancien. Voilà. Je crois juste que j'ai déplacé le stylo parce qu'il ne collait pas vraiment au même endroit, mais l'apparition de la croix, c'est exactement la même. Le fait de systématiquement montrer le TDI comme source de danger est nocif. Que ce soit parce que les personnes multiples...
tort que ce sont des dangers et qu'elles ont besoin d'être en... J'ai dit là aussi, dessin que j'ai refait, inspiré de vraies barres de prison que j'ai trouvées en PNG. Du coup, je les ai mis en transparence et j'ai refait chacune des barres. Je me suis même embêté à faire les chenilles, à faire la petite, le petit truc pour passer à manger ici, et les verrous qui sont là. Je me suis occupé de tout. Et du coup, si ça tombe en bas, et plutôt que ouvrir, parce que justement, faire l'ouverture de la porte en vrai, de 1, ça n'aurait pas fonctionné avec comment est-ce que... avec l'animation et l'apparition de la porte de base, des grilles de prison. Et aussi parce que c'était trop complexe, on va pas se mentir. Fermé pour le bien de tous, ou parce que les personnes... Là aussi, ça change de couleur parce que je trouvais que ça manquait, c'était trop statique. Du coup, j'ai dit ça va s'assombrir quand je dis le bien de tous, voilà, pour que ça donne ce côté. Voilà, désolé, j'étais un ventilo pour que ça fasse moins de son. Je suis désolé pour le son, pour la VOD notamment. Bref, pour que ça donne un effet un peu plus vivant à l'animation. Singlet vont penser la même chose. Ce qui va isoler les personnes multiples. Et voilà, en sachant du coup que là, le son des petits pattes, j'ai fait un son différent pour eux parce que leurs pas sont plus éloignés. Et ce qui est dans les deux cas, destructeur. Voilà. Et bouée de canon, le bouée de démolition, je l'ai aussi dessiné. J'étais très content de mon bouée de démolition. Je suis très content de l'impact aussi dans l'animation. Hop, genre cet impact-là. Avec la déformation du corps et comment il se veulent. Je trouve qu'il passe très bien comme animation. Et autre truc sur la déformation du corps, ça se voit pas parce que c'est pendant seulement une image. Pendant une image, t'as les petits bodins dans la tête qui sont en dehors de la tête. Voilà. C'est un peu embêtant, mais j'ai capté ça. J'ai essayé de le régler quand j'ai capté ça. Et je crois que c'est encore le cas. Et je l'ai capté vraiment après la diffusion qu'il y avait ça. Malgré le fait que j'ai dû le revoir 10 fois cette animation. Il serait donc bien que ce trope disparaisse, car elle offre une version diabolisée de la multiplicité. Là, pour faire l'effet de flamme, il y a des flammes derrière, le bonhomme, des flammes devant. Et l'encre, c'est encore un truc que j'ai fait moi-même. Qui s'ancre dans notre imaginaire commun, au détriment des personnes multiples. La représentation est ainsi absolument à changer. Et pour cela, il faut se renseigner. Là, on voit des petits dans les masques de l'effacement, parce que c'était un peu compliqué de faire... le masque d'effacement pour bien que ça colle et que ça colle bien à l'éponge, que ça reste pareil et qu'on n'ait pas l'impression que ça disparaisse avant que l'éponge arrive. Du coup, il y a des petits. J'ai fait de mon mieux, il y a encore des petits trucs que j'aurais peut-être pu régler. Voilà. Sans que tu as le i qui apparaît pendant que l'éponge passe et le reste qui apparaît comme ça. Les blablas sont de moi. Écouter les personnes multiples. Parce que j'ai eu cette idée à la toute fin. Et mettre leur travail et vécu. Voilà, donc la Bréganian qui a été la sensitive rideuse de cette vidéo et surtout de la version longue, le journal d'Olympe sur lequel je me suis et partiel qui sont les deux trucs sur lesquels je me suis le plus renseigné, le journal d'Olympe étant peut-être le truc francophone le plus connu autour du TDI et partiel étant un site très fourni sur ce sujet. Je sais que dans les critiques principales qu'on pourrait faire sur le journal d'Olympe, c'est que ça reste très psychiatrie positive. Il y a une base d'antipsy qui n'est pas là. Et ça reste aussi très... mince. Ça ne prend pas en compte le fait que tu as des problèmes si tu es dans d'autres minorités. Alors, ça reste très centré sur le fait que tu sois bourgeois, blanc. Voilà. Il y a un côté très bourgeoisie blanche dans les vidéos type Journal d'Olympe qui... Dans les personnes du cercle TDI qui sont invitées, j'ai envie de dire. Parce que voilà, c'est si t'es un peu plus. T'as un peu plus de problèmes, parce que genre, tu n'es pas blanche, tu n'es pas riche, ou en tout cas, tu n'es pas dans une situation suffisamment confortable, tu es queer, tu veux dire, bah, tu risques d'avoir d'autres problèmes, notamment parce que la psychiatrie, c'est un peu comme la police, c'est là pour te contrôler. Voilà. Et partiel, j'ai pas de retour négatif sur partiel. Voilà. Bah, c'est pas un retour très très négatif. J'ai pas de retour sur le fait que c'est pas assez politisé chez partiel. En sachant que j'ai. C'est mes sources principales. En fait, c'est parce que j'ai regardé plein de vidéos et que les vidéos sur lesquelles il y avait. Et j'ai noté les récurrences
Mais voilà, c'est les deux trucs principaux, c'était Pascal, qui était un des trucs les plus complets, et Journal d'Olympe, qui était un des trucs de 1 les plus connus, et qui était là aussi un peu plus complet. Mais j'ai regardé d'autres vidéos, j'avais fait d'autres recherches, j'ai lu quand même ce que disait la psychiatrie, même si je reste très critique sur ces... Alors, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a considéré que l'hystérie est une maladie. Tu vois, je peux pas faire confiance à ce genre de personne. Comme je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui considère que je devrais être enfermé et subir des thérapies de conversion parce que je suis ace. Je ne peux pas faire confiance à ce genre de personne. Du coup, quand des personnes qui sont dans le DSM disent que le DSM dit n'importe quoi, là, par contre, j'en fais plus confiance. Voilà. Et le générique de fin qui dure 20 secondes, parce que j'aime bien faire des génériques de fin très longs. La production Lille-9 Campus, parce qu'ils m'ont quand même donné le matériel pour enregistrer Louis et Elsa, qui c'est aussi eux, que c'est pour eux quand même que j'ai fait cette vidéo, et Scientifique Production, qui est à chaque fois que. Parce que j'ai quand même mis 2 mois aussi dedans, j'ai beaucoup mis de mois sur cette vidéo. Voilà, je me suis auto-enregistré, j'ai utilisé mes trucs pour faire mes bruitages, etc. Donc réalisation et écriture à l'iceberg. J'ai l'impression d'être Hideo Kojima parce que je mets mon nom partout, mais c'est pas de ma faute si j'ai tout fait. Voilà, oui, j'ai fait la réalisation, oui, j'ai fait l'écriture, oui, j'ai fait le montage, j'ai fait le mixage, j'ai fait l'animation, j'ai fait les illustrations qui étaient uniques. Pas de ma faute à moi, tu vois, c'est. Voilà, c'est. Moi, j'aime juste faire un truc complet où je mets tous les rôles qui sont un minimum clé dans la création de la vidéo. C'est pas de ma faute si je fais tout. Donc, voix off, du coup, c'est moi. Et Chase Meridan, qui est donc le nom de la psy jouée par. Ah, j'ai oublié le nom de l'actrice. Batman Forever. Nicole Kidman. Donc, la psy jouée par Nicole Kidman a été doublée par Elsa Logier. Donc, voilà, sensitive, rideuse, Bréganian. Source. En fait, j'ai mis reader parce que je sais pas si rideuse ça se dit vraiment. Voilà, du coup, je sais que sensitive reader, normalement, c'est un terme neutre. Par habitude, j'ai rideuse. Source principale, du coup, partielle, Journal d'Olympe, en sachant que j'ai d'autres sources, c'est juste que en fait, j'ai vu tellement de trucs. J'ai vraiment fait une playlist, dans laquelle j'ai vu toutes plein de vidéos, que je sais pas lesquelles j'ai vues et lesquelles j'ai pas vues. Voilà. Image non inédite, du coup, le tableau Velleda ne vient pas de moi, donc le cercle du tableau, pas l'image de fond. Le stylo Velleda vert, que j'ai fait transformer en noir et rouge. L'éponge, qui est pas une photo de ma éponge. Eternit pour l'image de Verité White. Journal de l'Olympe, partiel Bréganian pour les pubs à la fin. Split, Batman la série animée, Moon Knight, Batman Forever, Psychose, Fight Club pour les affiches. Et pour l'image de Chase Meridan dans le cas de Batman Forever. Et dans le cas des 5 autres, pour les têtes que j'ai mis sur mes petits bonhommes. Pour qu'on repère de qui je parlais. Et vidéo non inédite, du coup, on a Greenpedia pour Greenpedia, ça a été les flammes et le nuage de fumée. Et Denyaji Creator, c'était pour les confettis. Donc, son inédit, du coup, sound effect, this life, all sound, boost sound, sound effect database, sound effects universe, creator asset, base sound effects, n-bits, UH sound, LN high stage channel, basically. Voilà. Pour presque l'intégralité des bruitages de la vidéo. Et la musique, du coup, c'est Better Days de Emre Beyrak, qui est censée être une musique libre de droit. Voilà. Et remerciement spécial, Guillaume Arzic, parce qu'il m'a donné beaucoup de retour sur la vidéo et qui m'a donné quelques conseils pour l'améliorer. Genre, à chaque fois, il est étonné, Guillaume, que je mets dans mes remerciements, mais à chaque fois, il m'aide, Guillaume. Donc, moi, voilà, moi, je le mets dans mes remerciements parce que bon, ça reste un pote qui m'aide beaucoup. Briganian, évidemment, parce que pour m'avoir ouvert à ce sujet, déjà, m'avoir ouvert les yeux, et parce que Yael a bien voulu relire mes textes, et Elsa Logier pour son doublage. Et merci pour votre attention. Ça, c'était la version de 2 minutes que j'ai dû faire pour l'école. Comme vous voyez, il y a un manque d'infos clair. Il y a beaucoup de manque d'infos dedans. Du coup, j'ai fait une version longue. Mais avant de parler de cette version longue, qui dure 10 minutes de plus, comme quoi j'avais beaucoup d'infos à rajouter, voilà, 12 minutes 55, elle dure 11 minutes de plus. Voilà, avant ça, je vais vous montrer 2-3 trucs avant. Youp, youp, youp. Putain, on entend. Ah, on entend, on entend, on entend.
On l'entend beaucoup trop là. On l'entend trop. Attends, j'ai peut-être baissé le. Hop. Je passe là. Normalement, là, vous m'entendez bien, mais vous n'entendez plus le ventilateur. Normalement. Bref, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Approchez vers moi, du coup. Approchez vers moi, voilà, comme ça. Ça devrait le faire. Voilà, je voulais vous montrer les assets. Les assets. Du coup, c'est dans Motion. C'est pas dans Motion. C'est dans court-métrage bonus. Motion. Autre élément, barre de prison, DSM, livre et encre, livre, nuage, pictogramme. Voilà, donc là on a le nuage que j'ai utilisé donc pour faire les pensées, c'est simple. Voilà, le livre, où chacune de ces feuilles a été faite par moi-même, voilà, où j'ai essayé de faire. On voit du coup, on voit parce qu'il n'y a pas le même écart partout, le truc n'est pas centré, du coup voilà, c'est. Voilà, donc pour faire l'ouverture du livre, ça peut être utile plus tard. Donc, le méchant, qui est juste un bonhomme bâton avec des cornes, avec un petit sourire narquois. Au début, les cornes devaient être de deux couleurs, mais je me suis dit que ça faisait moche, du coup j'ai tout mis la même couleur. Et l'encre, du coup, avec ses anneaux comme ça. Je crois que j'avais divisé la chaîne et l'encre pour faire bouger l'encre pas au même niveau que la chaîne. Voilà. Ce DCM, 2SM, qui m'a pris 4 heures pour tout modéliser. Où j'ai modélisé tout ça, j'ai modélisé tous ces petits traits-là dans cette tenue de bourgeois tout pourri. C'est le vrai ISBN du DSM que j'ai recopié. Avec donc. Ah, voilà. On voit que ça a été fait à la mano parce que justement là t'as les zéros qui viennent dans le code barre. Voilà, et voilà, j'ai fait DSM5 Book Justify Looking People in App. Voilà. J'ai fait la tranche, on ne voit jamais la tranche dans la vidéo. Genre, même quand ça s'anime, vu que la tranche elle est là, tu la vois pas. Quand elle est comme ça, tu la vois encore moins. Enfin, beaucoup trop de temps pour si peu. Voilà, donc là, c'est le truc pour la prison. Vous pouvez voir que là, mes barres sont beaucoup trop grandes. Mais vu que c'est recadré en rectangle, ça ne se voit pas. Et là, tout le truc. La croix, je ne l'ai pas utilisée. J'ai fait directement des croix sur After Effects. C'était plus simple. Les haltères, le H hydrogène, le couteau. Avec le sang, combien, avec une petite opacité pour faire comme si le sang s'était déposé sur la lame. Voilà, j'aime bien. J'aime bien l'intense. La petite douche pour psychose, le bruit de démolition de la fin, l'information, la petite icône blablabla avec l'animation des trois trucs de son. Et on peut voir qu'ici, il y a un burin et un maillet. Parce qu'à un moment, je devais dire, ils n'ont pas de rôle gravé dans le marbre. Et dans ce cas-là, je voulais faire en sorte genre, que ce soit gravé. Un truc une animation du maillet qui tape avec son burin. Mais je me suis dit, l'animation va faire moche et j'ai pas le temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que juste, j'ai pas. J'ai faim, je vais aller chercher des curly juste après ça. Mais je les ai gardés parce que je me suis bien embêté à faire l'intégralité des deux. Voir qu'ils sont. Moi, j'aime bien, je trouve que j'ai bien dessiné. Inspiré de vrais dessins de maillet et de. Je suis allé chercher dessin maillet et dessin burin, et après, j'ai recopié les dessins. Voilà. Et enfin, les deux pictogrammes, pictogramme danger et pictogramme nocif, que j'ai dessiné également. Dernier truc à montrer? Oui. Hop, je peux vous montrer ces deux-là. Firefox. Donc ça, c'est la photo globale du tableau. Donc là, on peut voir, j'avais dégueulassé exprès pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est un tableau vivant. Ah, on le voit pas, merde.
Pourquoi la musique elle était pas bien? C'est pas bien la musique? Je suis désolé, c'est elle. Bref. Voilà. Nous étions du coup à la version longue. Du coup, alors j'ai fait un petit tableau explicatif. Donc l'explication calibre est la plus communément admise, mais soumise à plusieurs critiques, notamment de concernés. Parce que voilà, Brigagnan m'a fait la remarque tout à fait légitime que c'était c'est l'explication que j'avais de la formation du TTI n'était pas. N'était pas celle qui était genre c'est admis par la psychiatrie, mais c'était sujet à plusieurs critiques. Voilà. Quelque chose que Yael n'avait pas capté lorsque je lui ai passé le texte. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage, parce que ça va spoiler quelque chose que je dis à la fin de la vidéo. Mais je préfère du coup spoiler la vidéo plutôt que dire n'importe quoi. Du coup, voilà, j'ai préféré mettre ce panneau explicatif avant. Pour garder cette idée de je veux pas dire de bêtises et je préfère plutôt suivre les idées de personnes qui sont touchées par ce sujet plutôt que suivre mes préférences à moi, parce que mes préférences à rien ne pèsent absolument que dalle dans la balance. Lorsque l'on est enfant, nous avons plein d'états de conscience différents qui nous permettent de découvrir le monde. Vers l'âge de 5-7 ans, tous ces états se réunissent ensemble pour former notre personne. Cela s'appelle l'intégration. Mais si l'enfant subit un traumatisme, il se peut que cette étape ne se passe pas et que chaque état évolue de son côté, créant ainsi la multiplicité, qui pourra ensuite être diagnostiquée en tant que TDI. Et si la fiction nous a donné un fort aperçu, qu'en est-il en réalité ? Du coup, déjà les trucs à dire sur cette introduction. Déjà, on peut voir que j'ai toujours mis la flemme de modifier le fait que mes petits bonhommes bougeaient des pieds même quand ils ne bougent pas. Voilà, comme ici. Donc voilà, ils ont leur animation de course alors qu'ils ne sont pas animés. Alors, il y a beaucoup du coup des effets sonores que j'ai récupérés de la vidéo de base, hein, comme l'effet de la terre qui roule, les petites apparitions qui sont les mêmes que les mêmes mouches utilisées à la vidéo, etc. On est toujours sur la même police. On sent que la police rouge. Je l'ai mis avec un effet plus sombre pour que ça sorte mieux. Voilà. Donc en fait, le truc, c'est que dire que la multiplicité se crée durant l'enfance est sujet à débat. Parce que, voilà, il se peut que ce soit pas le cas et que tu puisses avoir une multiplicité plus tardive, il paraît. Voilà. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais voilà. Mais du coup, c'est cette idée de traumatisme dans l'enfance. En sachant qu'un traumatisme, ça peut être tout et n'importe quoi. Genre, tu peux être trauma d'un truc qui est totalement bénin. Genre, regarder Toy Story trop tôt, ça peut être un trauma. Déjà parce que personnellement, j'ai passé 10 ans de ma vie à vérifier que mes jouets ne bougeaient pas et qu'il n'y avait pas de poupées tueuses dans mes armoires. Je pense que c'est suffisamment fort comme ça pour me dire que ça peut traumatiser des enfants, Toy Story. Bon, là, c'était Toy Story, aidé du fait que j'avais aussi... je connaissais l'existence des films Chucky. Genre, j'avais pas vu les films Chucky, j'avais juste vu des affiches, mais c'était déjà assez pour me terroriser. Voilà, voilà. Et il y avait la bande-annonce d'Annabelle, qui sortit peu de temps après, qui est passée au JT du matin, et qui m'a terrorisé également. Voilà, voilà. Je vais dire un autre truc sur le début. Ah oui, et du coup, la musique, c'est la même musique que dans la première vidéo du TDI. Je fais ça parce que les musiques vont être très importantes au fil du truc. Ça s'appelle l'intégration. Donc toujours les mêmes effets si l'enfant subit un traumatisme, de caméra. Il se peut que cette étape ne se passe pas. Alors les couleurs, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, ah mince. Alors j'avais peur pas parce que c'était un peu réfléchi. C'est que là c'est un peu les couleurs de vice-versa. Jaune, vert, rouge, bleu, violet. Parce que de 1 j'adore vice-versa. Et que du coup c'est des couleurs suffisamment différentes pour qu'on les reconnaisse bien. Le problème c'est que je me suis dit que ça risquait de faire chaque personnage c'est un cliché, genre le cliché de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse. Je voulais pas ça du coup. Durant la vidéo je crois qu'il y a des couleurs qui changent justement pour pas qu'on reste toujours sur la même couleur en disant c'est tout le temps les mêmes. Voilà, voilà. Et puis bien sûr dans la vidéo je dis que c'est pas le cas et peut-être que je surinterprète trop aussi mes propres vidéos. Que chaque état évolue de son côté, créant ainsi la multiplicité, qui pourra ensuite être diagnostiquée en tant que TDI.
Ça, du coup, j'ai tourné dans le bureau de mes parents, qui ont un papier fin faux fond. Je l'ai tourné, il était 23h. J'étais crevé. On a l'impression que je suis malade tellement je suis jaune. Voilà. J'avais monté juste deux lumières pour pouvoir bien m'éclairer. La caméra était au loin. Voilà, j'avais pris le micro, etc. J'étais fatigué, mais je voulais finir ça parce que je savais que cette vidéo me prenait du temps. Elle était sur mon planning. Je voulais m'en débarrasser. Du coup, je me suis dit, un soir, je le fais. Et même si j'étais fatigué, même s'il était tard, voilà, je le fais. La fiction nous a donné un fort aperçu. Qu'en est-il en réalité? Et je porte le t-shirt Stafinov qu'on m'avait donné pour une des portes ouvertes. Parce que je participais du coup à une porte ouverte en tant qu'animatrice. On m'a donné le t-shirt de Staff et je me suis dit que j'allais le garder parce que ça allait avec le fait que c'était une version longue de la vidéo que j'ai fait pour Innov. Ouais, du coup, je voulais garder cette continuité. Et là, du coup, c'est la musique de El Pasio qu'on a pu entendre dans le tuto. Voilà. Parce que, en fait, j'ai récupéré beaucoup de musique que j'avais utilisée dans des précédents projets. Le trouble dissociatif de l'identité, précédemment appelé trouble de la personnalité. Voilà. Là, la musique, par exemple, elle se coupe trop tôt. Elle a une trop grosse. Elle tombe trop vite dans le volume bas. Mais du coup, c'est El Pasio qui continue. Mais du coup, on dirait qu'il y a une coupure alors qu'on n'a pas, c'est bien. Multiple a été diagnostiqué pour la première fois en 1980 dans l'affaire Billy Milligan. Il ne sera défini qu'en 1984 dans le DSM. Déjà, du coup, je rentabilise un peu plus ce dessin de DSM qui m'a embêté pendant si longtemps. Le dateur d'été une fois la vie qui revient dans énormément de mes vidéos parce que j'adore mettre une date avec le dateur d'été une fois la vie. Bon, il a vie, mais pourquoi j'ai dit une fois la vie? Juste il était une fois, c'est surtout il était une fois l'homme, petit dateur. Je voulais découvrir le date. Est-ce que je viens de citer une des deux seules séries, il est une fois, si on ne compte pas, il était une fois l'autre terre, parce que personne ne veut se rappeler, il était une fois l'autre terre, qui utilise pas le dateur? Je crois quoi, hein? Non, vraiment, elle est dans les découvreurs, elle est dans les explorateurs, elle est dans l'homme, mais elle est pas dans la vie, elle est pas dans l'espace. Idiot. Voilà. Donc là, c'est le. D'enfant, j'ai utilisé parce que je voulais. Pour éviter d'animer 12 minutes, je suis allé récupérer. De un, j'ai fait plein de passages en live. Et l'autre, c'est que je suis allé récupérer beaucoup d'extraits vidéo. Un truc préexistant. Là, c'est un extrait du coup du. Mince. D'un documentaire Netflix sur Billy Milligan. Documentaire qui, de mémoire, est mauvais. Alors, je ne l'ai pas vu, du coup, je ne peux pas dire mon avis dessus. Mais de retour de ce que j'ai pu voir, notamment des personnes concernées, c'est un mauvais documentaire qui a le problème principal de savoir de toujours se concentrer sur l'affaire Billy Milligan, qui est la seule affaire de tueur souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. Voilà. Et bon, alors c'était pas la seule, hein, peut-être qu'on peut en trouver une seconde, mais voilà, c'est la principale affaire, c'est que tout le monde en parle, alors que tu vas pas en trouver d'autres, tu vas pas en trouver beaucoup d'autres. C'est presque pas. Alors, en fait, c'est la seule que les gens peuvent te citer pour te dire à quel point il n'y en a pas d'autres. Aussi appelé manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou encore le livre pour justifier d'enfermer dans des asiles des personnes car elles ne pensent pas comme nous. Le DSM définit deux points pour être diagnostiqué TDI. 1. Être multiple. 2. Souffrir d'amnésie. Une animation bizarre sur le texte là. Il rétrécit, je ne sais pas pourquoi. Bien. Et du coup, je me suis mis en fou derrière pour pas être tout le temps sur le tableau non plus. Là, je dis que c'était pas intérêt d'avoir le tableau. Et que ça permettait de faire une meilleure transition entre le live et pas live. Voilà. Ou n'importe quelle forme. Ce qui fait déjà un gros point de différence entre réalité et fiction. La fiction ne prend pas en. Voilà, Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui technique. Alors. On va me dire, techniquement, c'est pas du TDI, du coup, parce que Dr. Jekyll doit boire une potion pour devenir Mr. Hyde, qui est sa part négative. Ok. Donc, sa part négative, c'est le mauvais qu'il y a en soi. C'est une personne qui change de personnalité, via un trigger. Techniquement, ça reste ça. Donc, c'est clairement dans de la représentation du TDI. Ça joue sur les tropes du TDI. Et c'est une mauvaise représentation, parce qu'encore une fois, c'est t'as le gentil Dr. Jekyll et t'as le méchant Mr. Hyde. Forcément les critères du TDI.
celui où t'as le moins sas dans Once Upon a Time, où Dr. Jekyll est plus méchant que Mr. Hyde. Parce que, en fait, Dr. Jekyll, c'est un gros hypocrite, et Mr. Hyde, c'est juste genre, c'est quelqu'un qui est plus libre de lui-même. Il est plus... il a plus de confiance en lui, etc. Mais les deux, en fait, ont plus ou moins la même moralité. Ce qui est mieux. Même s'il y a toujours ce côté de « il y a un méchant, il y a un gentil ». Donc là, c'est le double face de Telltale, qui est un des meilleurs double face niveau écriture de la sorte. Parce qu'on cache un peu sous le tapis le fait qu'il a un TDI. Mais on cache seulement sous le tapis. Donc pour plus d'informations, regardez ma vidéo sur l'interview d'Alice sur Batman, où je parle plus longuement de double face. Mais genre, c'est la meilleure représentation de double face, mais ça reste une représentation qui garde ce côté. Il y a une mauvaise personnalité, une gentille personnalité, une personnalité dangereuse, la personnalité pas dangereuse, etc. Certains exemples pourraient en réalité être diagnostiqués dans les autres troubles dissociatifs spécifiés ou juste ne sont pas diagnostiqués, et il reviendra ainsi mieux de parler de multiplicité. Et même si c'est pas vraiment correct et plutôt essentialisant, on va continuer à dire TDI plutôt que multiplicité, de 1 parce que la majorité des œuvres utilisent ce terme, et de 2 parce que c'est plus court. Surtout parce que c'est plus court. Ouais, parce que normalement, j'aurais dû parler de multiplicité pendant toute la vidéo. Parce que ce que je parle, c'est pas du TDI, c'est de la multiplicité. Le fait d'avoir plusieurs personnes multiples. Parce que le TDI, c'est un diagnostic psychiatrique sur un spectre seulement de la multiplicité. Genre, pour avoir le TDI, il faut souffrir d'amnésie. T'as pas d'amnésie, tu n'as pas le TDI, tu as un autre trouble dissociatif spécifié, comme je le dis dans la vidéo. Et en plus, il faut que t'en souffres. Si t'en souffres pas, tu mens. Selon la psychiatrie, c'est ça. Si t'en souffres pas, tu mens. Ce qui est faux. Tu peux très bien ne pas souffrir et pourtant être folle. Voilà. C'est pas. L'un va pas avec l'autre. L'un va souvent avec l'autre, surtout parce que la société n'est pas adaptée pour des personnes qui sortent de la norme. Et ça, on a une société très validiste, sur tous les points. Mais voilà. Tu peux bien vivre le fait d'avoir un TDI, comme tu peux très bien vivre le fait d'être schizophrène, comme le fait d'être autiste, comme le fait d'être... etc. etc. Alors, tu peux pas très bien vivre en étant dépressive et anxieuse. Ça, c'est les deux trucs où ça va être difficile. En tant que dépressive et anxieuse, je pense pas que ça, c'est possible. Pour les restes, c'est possible. Voilà, voilà. Oui, et du coup, Kuroko Basket, parce que le personnage que je montre qui s'appelle Itachi. J'ai oublié le nom, mais du coup, Kuroko avec les feux rouges, a une personnalité méchante et une personnalité qui a été créée par la peur de perdre. Et une personnalité gentille, voilà. Alors, personne ne diagnostique. On dit bien qu'il a deux personnalités, mais il n'y a jamais de diagnostic sur le fait qu'il serait TDI ou ATZ, voilà. Même qu'il serait multiple. C'est juste qu'on dit qu'il a il a une nouvelle personnalité qui a été créée et il y a une autre qui est enfouie. Ce qui est de la multiplicité. Et si on parle de TDI, il y a un élément qui nous vient à l'esprit. Les alters. Un système, soit une personne multiple, possède plusieurs alters. Chacun d'entre eux étant une personne avec sensibilité, nom, goût, tempérament différents qui peuvent prendre à tour de rôle le contrôle du système. Soit individuellement, on appelle ça le front, soit à plusieurs, on appelle cela le co-front. C'est soit... C'est des Switch! Du coup, c'est une Nintendo Switch! Haha! Je suis drôle! Et sinon, c'est la deuxième animation que j'ai juste volée du premier court-métrage. La première, du coup, c'est le DSM qui s'ouvre. Ah, désolé. Désolé, micro. Ah non, la première, c'est TDI. Genre, l'écriture du TDI avec les TDI qui tiendront. J'ai juste pris l'animation que j'avais fait et je l'ai directement mis dans mon montage. Pareil pour l'ouverture du DSM. J'ai juste repris l'animation. J'ai décalé parce que ma phrase est plus longue. J'ai juste décalé quand est-ce que l'animation est arrivée. Et là, du coup, là aussi, j'ai repris toute l'animation et j'ai juste rendu plus longue pour animer des trucs après. Voilà. Parce que il faut être fainéant dans la vie. Switch entre alter pouvant être totalement imprévisible ou déclenché par des triggers positifs ou négatifs. Ah, c'est positif ou négatif? Du coup, c'est positif et négatif. Ah ah. Voilà. Donc, ensuite, autre truc, c'est que ici, du coup, c'est juste un bureau de psy que je suis allé au pif. C'était compliqué de trouver un bureau psy où ça ferait pas trop bizarre, genre la perspective avec l'image de personnage.
Donc c'est la meilleure que j'ai trouvée. Et pourquoi est-ce que Chase est du coup dans un bureau et pas juste en dehors du tableau comme avant? C'est parce que si je faisais l'animation de décalage du tableau, ça ne fonctionnait pas parce que l'animation qui était dedans, du coup, est beaucoup plus longue. Du coup, j'aurais dû tout réanimer le tableau. En plus de ça, j'aurais dû tout réanimer le tableau avec la discussion de Chase, avec le blablabla de Chase, chose que j'ai dû faire d'ailleurs, parce que la phrase que dit Chase là, c'est pas la même que celle qu'elle dit dans la première vidéo. Du coup, j'ai juste gardé son cycle de respiration. C'est parce que j'ai repris juste l'animation de Chase et je l'ai allongé pour. Je l'ai allongé, j'ai changé juste les lèvres et tout le reste, j'ai gardé la même chose. C'est tout ça. C'est comme dans les films, quand on varie entre l'enfant, le normal et le psychopathe. Et qu'il y a des alliances ou bastons pendant le. Front. Ok. Renseigné par le biais de Split, c'est comme se renseigner sur le féminisme en lisant Jean Mascu. Le vrai féminisme, c'est dans la cuisine. Alors, du coup, là, c'est pas une image de Jean Mascu, mais de Marc Mascu de la vidéo sur She-Hulk. Voilà. Donc, il s'appelle Marc, il s'appelle pas Jean. Avec donc le petit logo Incel et le bonhomme bâton. Et la voix, c'est Louis Bertin, du coup, qui a participé à Audio Cult et qui est revenu ici pour faire quelques voix, qui est venu avec Elsa pour m'aider. Merci à lui. J'avais un autre truc à dire. Ah oui, pour les animations, le truc avec After qui nous a appris, qui est très utile, c'est qu'en fait, et c'est pour ça en fait, qu'il y a beaucoup de trucs qui se répètent parce que je reprends des animations préfaites, mais aussi je fais beaucoup de boucles. Voilà. Et les animations boucles, du coup, c'est des animations où juste je te dis, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et ensuite tu vas répéter ce cycle d'animation encore et encore et encore et encore jusqu'à la fin du truc. C'est l'animation des persos fonctionne comme ça. Genre, à part celle des marches, de la marche qui n'est pas une animation boucle parce que je devais. Parce qu'il y a plusieurs marches différentes avec plusieurs vitesses. Les autres, genre quand ils bougent les bras, tout ça, c'est juste, j'ai le position A, position B, tu vas me faire une boucle en boomerang. Du coup, c'est-à-dire que tu vas faire la position A, B, puis B, A, puis A, B, puis B, A. Et parlons plutôt des idées préconçues qu'il y a, notamment autour des haltères. La majorité. Je crois que la musique, c'est Long Mountain. Et du coup, là, c'est une musique qui vient de Audio Cult. Enfin, la première fois que je l'ai utilisée, c'était en Audio Cult. Les œuvres représentant le TDI nous présentent cette situation d'un alter qui serait un danger pour autrui. Et ça tombe bien que ce soit la chose la plus représentée, parce que c'est la chose la moins véridique possible. Alors oui, il faut toujours citer... Là aussi, animation entièrement reprise de la première vidéo. Une ou deux personnes multiples qui avaient un alter meurtrier, l'affaire Billy Milligan est notamment surreprésentée là-dessus, mais le NSDAP a bien prouvé que des personnes totalement saines pouvaient participer à des génocides sans aucun problème. Et pourtant, on ne portatise pas l'ensemble des blancs occidentaux comme des génocidaires. Alors que proportionnellement, c'est plus vrai. En fait, truc du coup que je dis pas assez à mes yeux, c'est que quand je dis que c'est surreprésenté, c'est que c'est vraiment surreprésenté. Il y a presque... Tu peux presque pas citer... une autre personne qui a un TDI qui était un criminel que Billy Milligan. Genre, je suis sûr que si tu cherches bien dans les tréfonds de l'intégralité des affaires existantes dans le monde depuis le début de la nuit des temps, tu vas pouvoir me donner tort. Mais, surtout Billy Milligan, c'est vraiment... mais si on prend le fait que le TDI a été créé avec Billy Milligan, voilà, qui est donc la toute première affaire où on a diagnostiqué quelqu'un du TDI. Donc, on ne peut pas en trouver avant et après, il n'y en a pas. Voilà. C'est une affaire qui est surprésentée parce que les fous, ça fait peur. Ce qui est une mauvaise chose. Et c'est un truc que je dis pas assez dans la vidéo, je trouve. Il n'y a aucune raison qu'une personne multiple soit plus dangereuse qu'une personne singlette. Il n'existe pas d'alter de la méchanceté. Le fait de systématiquement montrer le TDI comme source de danger est nocif. Que ce soit parce que les personnes multiples vont penser à tort que ce sont des dangers, et qu'elles ont besoin d'être enfermées pour le bien de tous, ou parce que les personnes singlettes vont penser la même chose, ce qui va isoler les personnes multiples, et ce qui est dans les deux cas, destructeur. Bref, cette idée d'alter méchant, en plus d'être totalement faux, est extrêmement nocif, et ce serait bien de voir ce trope disparaître dans les limbes de l'histoire. Du coup, autre truc que je voulais dire avec tout ça... C'est que... Hop. Oui. Là, toute cette partie-là, du coup, je l'ai repris de ma première animation. Mais j'ai aussi repris la voix, comme pour la partie sur les... mince.
sur la fiction, ça tombe bien que c'est le plus représenté parce que c'est le plus faux. Parce que en fait, j'avais la flemme de recaser le nouvel enregistrement sur les anciennes images et le nouvel enregistrement différait pas trop de l'ancien enregistrement niveau texte qui était dit dedans. Du coup, j'ai juste repris l'ancien enregistrement, j'ai juste repris l'extrait avec ma voix qui était calée dessus et je l'ai remis dans le montage. C'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace aussi. Dans les autres tropes classiques autour de TDI, il y a celui de la transidentité, avec un alter qui est transgenre. Et on va... Alors là, j'ai un doute. Soit c'est aussi une musique venue du tuto, soit c'est une musique venue de l'épicé... La musique de l'épisode 5 de The Occult, c'est soit l'un soit l'autre. À revenir sur cette unicité. On peut par exemple voir dans Psychose, Split ou The Crooked Man. Crooked Room, c'est ça quand tu lis mal ton texte et que tu vérifies pas ce que tu dis. Voilà, Crooked Room, donc il paraît qu'en tant que série c'est bien, il paraît que du coup Tom Holland joue très bien, il paraît aussi que ça portraitise moins que d'habitude le fait que Billy Milligan était un, globalement un gros meurtrier dangereux parce qu'il est fou et que c'est dangereux. Il paraît que c'est le moins que Détroit, c'est celui qui fait le plus d'efforts. Ça reste quand même une nouvelle surreprésentation du criminel TDI, du seul criminel TDI. Et ça va encore avec l'idée de les gens qui sont TDI, c'est des fous, qui sont dangereux, qui sont bizarres, qui sont déviants, et qu'il faudrait enfermer. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu, du coup, je ne peux pas donner un avis entièrement tranché. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu, les extraits que j'ai vus, etc., c'est le cas et c'est un problème. Et même rien que son existence qui surfe sur une affaire qui devrait être moins médiatisée que ça, c'est un problème. Et là, mauvais point également, ça a tendance à être mise en scène comme quelque chose. Et je crois que la représentation de la transidentité de Billy Milligan dans Crooked Room est peut-être un peu moins pourri que d'habitude. Dans Split, c'est une horreur parce que Split est une horreur sur tous les points. Non, c'est comme... L'acting dans Split est très bien, la réale dans Split est très bien, le scénario n'est pas est moyen, et la représentativité, par contre, est une purge. Et c'est ce qui fait de Split un film qui aurait pu être très bon à un film qui est pourri. C'est le fait que la représentation du TDI, de la transidentité, des agressions, tout ça... est une très mauvaise représentation. Et pour ça que Glass est mieux, parce que Glass se centre moins sur ce sujet. Voilà. Et que Glass montre que la psychiatrie, c'est de la merde. Alors que là, la psy est gentille dans Split. De foncièrement déviant et dérangeant. La palme d'or à ce niveau revenant au discours final du psy dans Psychose. Merci beaucoup, j'ai énormément travaillé pour écrire le pire discours possible sur ce sujet. Bon déjà, est-ce que... Voilà, donc la palme d'or du coup... Discours de la Palme d'Or, voix par Elsa. Première idée de blague qui m'est venue en tête, et ça fait partie des trucs de pourquoi j'étais déçu que dans la version courte, j'ai dû virer ce genre de choses. Parce que voilà, le prix de la Palme d'Or de Psychose, j'aimais bien la blague. Voilà, voilà. Et oui, Psychose a le discours final de Psychose qui dit « Oui, alors, c'est parce qu'il était transsexuel, et puis voilà, et puis genre il est fou, il se prenait pour sa mère, se timbrait. » Voilà. Ça, c'était le discours fin de Psychose. Il se peut que quand j'ai vu le film, je me suis pas senti super bien. Il se peut aussi que ça a vraiment baissé mon appréciation du film. De beaucoup. La transidentité est quelque chose que l'on trouve dans un système. Et la réponse est évidemment oui. On prend une coloc. Ce n'est pas parce qu'il y a... Ah, là, il y a une coupure un peu brusque. Ah, dommage, j'aurais dû mettre un fondu. Autre truc sur la création de cette vidéo, c'est que en fait, je suis allé sur After. J'ai animé chaque passage qui devait être animé. Donc, chaque passage qui est sur le tableau. Je les ai exportés. Je les ai mis sur Premiere, et sur Premiere Pro, du coup, j'ai fait le montage avec les passages en live. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça, et du coup, chaque passage a été travaillé de son côté, avant que je fusionne tout. C'est pour ça qu'il y a des coupures entre passages, c'est parce que ça a vraiment été travaillé chacun de son côté. Voilà. Une personne 6, que tout le monde l'est. Bah, c'est pareil dans un système. Il n'y a pas... Alors, mince. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne 6 que tout le monde l'est. Alors, pour les gens qui ne reconnaissent pas les drapeaux, il y a demi-boy, demi-girl, non-binaire et trans. Voilà. Donc, trans, non-binaire, 6, du coup, c'est 6, demi-girl, demi-boy. Bah, c'est pareil dans un système. Il n'y a pas que 6 comme seul thème. Sauf que là, et même pour les singlets trans, ce serait bien que la fiction ne présente pas cela comme dérangeant ou malsain. Car on retrouve sur le problème du point 1, où à force de présenter cela ainsi,
les personnes concernées vont penser qu'elles sont déviantes et malsaines. Et l'attitude du reste du monde, qui ont eu droit au même discours, quand tu fais ça, parce que quand tu fais ça, c'est problématique. Mais, vous voyez, là, c'est un problème que j'ai eu et que j'ai pas remarqué qui m'énerve. À savoir que le calque de la prison et le calque des pensées se sont intervertis quand j'ai fait le copier-coller. Et du coup, là, on voit clairement que le cadre de la prison est au-dessus du nuage. C'est très moche, c'est une erreur bête, ça m'énerve qu'elle est dans la vidéo finale. Ne va pas aider. Voilà, il n'y a pas l'animation du truc. L'Alter Little Teen, du coup, là c'est une musique que j'ai mis dans aucune autre de mes vidéos. C'est la musique du Espelathème de. Ah, comment ça s'appelle ? Professeur Layton vs Phoenix Wright et ses tourniers. Et si j'ai mis cette musique là, précisément, parce que j'adore la musique de et ses tourniers, évidemment. De Phoenix Wright vs Eternity, c'est une des meilleures BO de jeux vidéo existantes. Je veux rien savoir. Et l'autre truc de pourquoi est-ce que j'ai mis cette BO en particulier, c'est parce que les BO de Eternity, c'est un truc qui est très régulier aussi dans mes vidéos. Voilà. Voilà. Non, c'est pas ça que je cherchais. Ah, c'est avant. Je voulais juste vérifier quelle était la musique avant. C'est Canals. Canals. Joachim Carout. Ah, Canals, c'est peut-être la musique qui est modifiée dans le Audio Cult numéro 6. Hop. Je crois que c'est celle-là. Mais Canals, c'est vraiment une musique que j'ai récupérée pour une des vidéos de cette année. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc soit c'est pour soit c'est pour Audio Cult, soit ça a été pour soit Audio Cult, soit c'est le tuto. Et la dernière possibilité, c'est que c'est pour le portrait, mais je suis pas sûr. Autre alter qu'on a rapidement en tête quand on parle de TDI. Voilà, mon texte était à côté, et c'est pour ça qu'il y a un mouvement, j'ai un mouvement. Voilà, c'est parce que j'ai lisé mon texte à côté avant de dire mon texte. C'est les alters Little, Middle et Teen. Des alters qui auraient encore un âge infantile à adolescent. Et c'est vrai que ce sont des alters existants. Et là encore, mauvais point pour Split, qui semble faire exprès d'être la pire des représentations possibles, ce n'est toujours pas à présenter comme dérangeant ou malsain, pour les mêmes raisons que les deux points précédents. Et j'aimerais profiter de ce point pour parler de deux choses plus précises. Déjà, que chaque système est différent. Comme l'autisme, le TDAH ou la fanitude de Marvel, on peut dresser des récurrences, mais chaque cas est TDAH ou la fanitude de Marvel, on peut dresser des récurrents. Voilà, du coup, je voulais mettre des trucs que. Ouais. C'est autisme, je l'ai. Le TDAH, je l'ai peut-être, sûrement. Et fanitude de Marvel.